Sur certains chantiers, c'est de l'avancée. Sur d'autres encore, c'est l'inauguration qui est en attente. Nous sommes sur la route Kamasaka, où tout semblait bien partir pour la réhabilitation de cette artère. Mais depuis un temps, les choses sont bloquées. Ici, quelques camions bennes sont immobilisés sur le chantier et trouvent pour refuge un espace vide du quartier. La population ne sait à quel sens se vouer, car la prochaine tombée de pluie risque de faire revenir tout à zéro. Sur l'avenue Kiwele, rien n'est encore fait. Ici, juste une solution palliative trouvée par les particuliers semble alléger la tâche aux automobilistes, entre autres la mise des moellons pour combler les nids de poules qui rendaient impraticable le passage. Quant à la route Radem, il y a de l'espoir.